Salut tout le monde et re-bienvenue au studio ICW qu'on a agrandi pour l'occasion. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je suis ici pour vous parler du Super Gala de lutte qui va avoir lieu ce samedi, le 17 mars, au 1550 rue Joliette à Montréal. Le combat final, l'événement principal de cette semaine, un combat par équipe. Mais j'ai vraiment pas le goût de vous en parler. Surtout pas par l'humiliation que j'ai subie par Luigi Poo. Parce qu'on sait que Luigi Poo, samedi, il va être en équipe avec le Mobster pour faire face à Paul Proulx et Serge Proulx. Mais ça, regarde, c'est un combat hardcore. J'ai même pas le goût d'en parler. On passe à d'autres choses. On passe même aux commentaires de Jean Ducrime qui a émis, après son combat, le combat où ce que les fans amenaient les armes, samedi. Roule la cassette! J'ai pas le goût de parler de ça. Je laisse Mobster parler. Roule encore la cassette. Cette semaine, grâce à vos votes
sur la page Facebook ICW Fans et Amis, vous avez voté en grand nombre pour une des plus corpulentes personnalités de la ICW. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, la raison pour laquelle notre studio ICW a été agrandi, nul autre que le très charismatique Big Fat Seb. Cher ami, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. La poignée de main traditionnelle. Biba! Un homme plein de mots. Évidemment. S'il vous plaît. Évidemment, Big Fat Seb, on sait, à la ICW, tu es le lutteur aux mille et un talents. Par contre, on devrait plutôt dire aux mille talents. Oui, oui, c'est en t'offusqué. Il t'en manque un talent. Celui de n'avoir jamais battu pour le championnat ultime, Johnny C. Non, je comprends ta déception. Tu refoules ça, toi, à l'intérieur de toi. Tu fais une grande boule de méchanceté. J'en suis désolé. On peut pas tout avoir dans la vie. Pardon? Pardon? Tu oses m'insulter? Dans mon entrevue? Mesdames, messieurs, j'avais indiqué 5 minutes en entrevue. Le temps nous manque. Donc, je vous demande de bien vouloir m'excuser et on se retrouve la semaine prochaine dans ce super segment. Musique une dernière fois.